Bonjour Bonjour Amis. Et, et bienvenue dans Deux choses et d'autres. Merci. Euh, J'aimerais poser une question sur la santé des Marocains. Alors, comment se porte la santé des Marocains Eh ben, c'est une question très vaste et, comme tu le sais, elle est euh, à l'image du système de santé. Alors, pour répondre à ta question, il faut quand même que je fasse un petit état des lieux. Absolument. C'est vrai que nous avons des avancées indéniables, mais nous avons aussi des lenteurs inexplicables. Alors pour donner quand même quelques chiffres pour qu'on comprenne un petit peu dans quel contexte on est, euh, on manque de médecins terriblement. Le nombre mmh. des médecins, je crois qu'on est à peu près à 28 000 médecins au Maroc. Euh, ils sont très très mal répartis, la densité est très très faible dans certains endroits, parce mmh. qu'on euh, est à 1,6 en moyenne, 1,6 médecins pour 1 000 habitants, ce qui n'est euh, même pas le tiers de ce, que prie, de ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, euh, en dehors de la répartition euh, qui n'est pas adaptée, euh, c'est vrai qu'il y a eu un effort pour produire euh, plus de médecins, puisque nous avons actuellement huit facultés de médecine publiques et 5 aussi facultés de médecine privées. Donc ça, c'est les points positifs. L'autre point positif, c'est l'élargissement de, de l'AMO, la sécurité sociale euh, qui couvre maintenant 78% des habitants. C'est extraordinaire. Mmh. Et moi, ce que j'applaudis le plus, vraiment, je trouve ça euh, remarquable, c'est d'avoir fait basculer tous les ramédistes vers l'amour. Mmh. Et deuxième chose, d'avoir fait euh, adhérer 350 000 étudiants, étudiants qui n'avaient aucune couverture, donc, y compris les étudiants en médecine eh ben, Y compris, j'espère bien, en premier lieu, les étudiants <laughs> en médecine. Donc, euh, qui n'étaient pas assurés absolument, auparavant. Donc, absolument. Donc, ça, c'est une avancée extraordinaire. Euh, L'élargissement de la, de la couverture sociale et l'ouverture des facultés de médecine qui sont nombreuses. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des points négatifs. C'est le nombre de médecins qui est insuffisant, mal réparti. Et euh, un autre point qui est très important, euh, qu'il faut souligner, donc qui fait partie des points négatifs, c'est que les médecins euh, euh, fuient le Maroc. C'est horrible de dire ça, Absolument. mais sur, par exemple, des chiffres il y a deux ou trois ans, sur 1300 médecins formés au Maroc, 500 seulement vont rester et 800 vont partir. Donc euh, on est. Bah, on construit des facs de médecine pour produire des médecins pour, pour l'étranger. Et ça a commencé à, à partir de, de la crise sanitaire. c'était bien avant ça. Ça fait des, on va dire une dizaine d'années, je pense qu'on va mmh. revenir sur le pourquoi de la chose. Mmh. Mais depuis dix ans, on remarque cette fuite. Et ce qui est euh, déplorable, c'est que déjà en première, ou même en, à partir de la deuxième, troisième année de médecine, dès que l'étudiant s'engage. Il commence à prendre des cours d'allemand ou d'espagnol ou autre chose pour, dans la vision, dans l'optique, de continuer sa spécialité ailleurs. Donc on parlera aussi pourquoi. Mm -hmm. euh, alors le ministre a évoqué deux façons de, 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 pour augmenter le nombre de médecins. Il y a eu il 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 une loi qui a permis aux médecins étrangers de venir s'installer au Maroc. Mm -hmm. Mais il faut se poser la question suivante. Qu'est-ce qui pourra attirer un médecin étranger au Maroc mmh. euh, Je pense que pas grand-chose, étant donné qu'en 2021, je suis aller chercher des chiffres, il y a eu 41 dossiers déposés pour demande euh, d'étrangers voulant exercer au Maroc. Sachant qu'au départ, le ministre avait pensé même mettre des garde-fous pour éviter l'invasion de médecins. D'accord Je ne sais pas comment, mais mmh. pourquoi. En tout cas, sur ces 41 dossiers qui ont été déposés, euh, la plupart sont euh, en général euh, les nationalités qui prédominent, c'est sénégalais, tunisiens, égyptiens. Mmh. L'autre chose qui était euh, dans l'objectif du ministre de la Santé, c'était d'attirer les 14 000 médecins. Qui Marocains qui parties. exercent à l'étranger. Mmh. Ils sont peut-être pas partis. Ils ont peut-être toujours été là-bas. En tout cas, il y a 4, ouais. 14 000 médecins qui exercent à l'étranger. Là encore, faut se poser la question. Euh, mmh. Comment on peut faire pour retenir nos étudiants en médecine? Comment on peut faire pour ramener plus de médecins étrangers? Comment on peut faire pour rapatrier nos Marocains médecins à l'étranger? Alors, pour revenir à la question, est-ce mmh. que la santé des Marocains se porte Bien, moyennement bien ben, Je vais dire moyennement bien parce qu'il y a encore beaucoup de choses à, à, à changer, à faire, mais c'est déjà un grand pas. Plusieurs facultés de médecine et euh, la couverture de l'AMO, ça c'est indéniable. Maintenant, ce qui bloque, c'est surtout la bourse du patient. Il mm -hmm. faut qu'il puisse débourser, avancer les frais en ambulatoire et ça c'est tout un problème. Concrètement, que peut faire l'État dans, dans ce cas bon. Moi, je ne suis pas un spécialiste de santé publique, mmh. je suis un simple observateur, c'est vrai, un observateur impliqué à tous les niveaux. Mmh. Euh, et euh, la question de médecine m'importe énormément. Pour moi, c'est un terreau fertile, euh, je puise toute mon inspiration pour mes romans là-dedans, donc je me pose beaucoup de questions, j'essaye de, 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 de prévoir ce qui peut arriver, ce qui pourrait être bon, donc c'est un sujet, euh, mes réponses n'engagent que moi. Mais l'une des premières réponses pour moi qui est importante, qui est sûrement prévue mais qui tarde beaucoup, c'est de généraliser le tiers payant. Actuellement, le tiers payant euh, est établi pour les pour les patients qui veulent se faire opérer ou qui ont des actes euh, de chimiothérapie d'oncologie qui coûtent très très cher. Alors, si on peut expliquer déjà ce que c'est que le, le tiers payant. Alors, le tiers payant. C'est euh, ce qui est garanti par les assurances euh, et les mutuelles. C'est-à-dire que quand tu as besoin d'être opéré ou d'avoir un soin, euh, par exemple, d'oncologie, quelque chose qui revient très, très cher, euh, tu n'avances pas les frais. Absolument. C'est euh, la, 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 la structure médicale, euh, donc la clinique, ou, euh, te prend en charge, te, te fait tous les examens qu'il doit faire et tous les traitements, et se fait payer ensuite en sanction comptant par la mutuelle. C'est-à-dire ouais. qu'à la charge du patient, il y a 10 ou 20 ce qui est extraordinaire Nous, on l'aurait voulu en tant que médecin en général dans le cabinet et puis pour le bien de tous les patients qui n'ont pas les moyens de débourser et d'avancer les frais on l'aurait voulu que ça soit étendu dans tous les soins ambulatoires et les consultations comme c'est parce... le cas à l'étranger oui parce que je ne vois pas pourquoi un patient qui est cardiaque qui a 1500 dirhams par mois de frais médicaux, euh, ne se voit pas avancer les frais pour une maladie chronique c'est-à-dire qu'il va payer toute sa vie au même titre que quelqu'un qui a une chirurgie programmée je parle pas des chirurgies en urgence bien mmh. sûr. donc euh, je trouve que c'est une aberration c'est prévu mais je trouve que ça tarde c'est là où je parlais tout à l'heure de lenteur inexplicable et euh, ça permettrait à tout le monde d'être soigné ça peut être ré réduirait aussi euh, les déserts médicaux parce que dans certaines régions, les gens n'ont pas les moyens de consulter, mais si euh, un médecin va s'installer et qu'il a la garantie qu'il va avoir des patients qui seront pris en charge, euh, ça sera différent. Donc le tiers-payant, pour moi, c'est très, très important. Et s'il tarde trop à apparaître, j'ai peur que les cabinets médicaux disparaissent. Parce ah, que les cliniques, elles, sont alimentées directement par la mutuelle. Donc, c'est pour ça qu'elles foisonnent et qu'il y en a de plus en plus. Et c'est pour ça que certains cabinets sont en train de fermer. Il faut pas se leurrer, c'est quelque chose de, de réel. Euh, ensuite, donc le tiers payant. Deuxième chose, faire une carte sanitaire. Mm -hmm. Comment peut-on donner autorisation à des cliniques d'ouvrir et ne pas leur imposer la région jour dans laquelle d'ouvrir Ça, c'est le cas pour les pharmacies, par exemple. Oui, absolument. Il y a une répartition. Absolument. Alors, il y a des, sûrement des choses qui nous dépassent. Bon, évidemment, là, c'est mon, mon esprit de romancière qui commence à, à, à réfléchir à tout ça. Mais euh, c'est pour moi quelque chose d'important et on y arrivera de toute façon pas le choix, c'est, en attendant de combler les 32 000 médecins qui manquent au Maroc, je pense qu'il va falloir faire quelque chose pour, pour, une alternative pour remplir ces déserts médicaux. Donc, euh, troisième chose, euh, il faut des campagnes de sensibilisation. Il mmh. euh, y en a, mais elles ne sont pas suffisantes. Et il faudrait aussi, à mon avis, euh, imposer un examen médical, euh, un bilan, euh, par exemple à 40 ans puis à 50 ans parce qu'on voit encore des gens arriver qui sont diabétiques depuis 10 ans et qui ne l'ont même pas qui ne le savent pas et là qu'est-ce que ça coûte de faire un petit bilan biologique et un bilan médical de base chez un médecin généraliste et euh, par rapport à quelqu'un chez qui on découvre un diabète qui a déjà causé des dégâts au niveau des reins au niveau des yeux au niveau du cœur et là, on parle de de la culture justement absolument. et des croyances par rapport à la santé, mmh. et on aura l'occasion d'en parler. On en parlera absolument. <laughs> absolument. C'est un thème important. Et donc la quatrième solution qui pour moi est, est indispensable, c'est de revaloriser euh, l'image du médecin. Euh, alors, ça c'est des propos que je reprends de notre ministre de la santé, qui dit que le métier du médecin s'est paupérisé. Euh, il y a 50 ans, euh, au niveau de l'échelle sociale, le médecin était en troisième position, comme l'instituteur, comme l'avocat. Comme actuellement, le médecin est en 25e position. Donc, si euh... derrière l'influenceur. De... Bien, bien bien derrière l'influenceur et donc euh, qu ce qui pourquoi il faut revaloriser l'image du médecin d'abord mm -hmm. il y a eu une, une campagne de dénigrement il y a quelques années euh, qui était vraiment euh, catastrophique pour le médecin et euh, comment voulez-vous que le jeune étudiant se, se arrive à se voir dans un futur au Maroc? Mmh. Ce n'est pas possible, et, et, et c'est bien pour ça. C'est parce que cette image du médecin n'est pas revalorisée, parce que le médecin n'arrive, il y a des médecins qui ferment parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ça, ça, il faut pas voir uniquement les directeurs de cliniques et les grosses cliniques. Euh, les, la médecine privée va très mal. D'abord parce que le médecin doit s'endetter pour, pour acheter du matériel performant qu'il doit renouveler, mmh. alors que dans les autres pays, le médecin peut avoir accès au plateau technique de l'hôpital. Il n'a pas besoin de s'endetter à ce point. Euh, troisième chose, au niveau de l'image du, du médecin, euh, il faut rétablir la confiance Absolument. entre le médecin et le patient. Si vous n'avez pas la confiance, si la population en général n'a pas confiance en médecin, on aura une mauvaise médecine et on aura, le, le médecin se sentira, euh, s'il ne tisse pas cette lien, ce lien de confiance avec le patient, il ne tirera à rien Mais notre santé en pâtira, mmh. la santé euh, globale. Euh, et ça aussi, c'est une question que j'aimerais oui. poser par la suite. avons parlé tout à l'heure du corps médical. Euh, alors, ça pourrait sembler euh, assez bizarre euh, de te poser la question, mais est-ce que le corps médical au Maroc est formé Est-ce qu'il est apte à traiter euh, le citoyen dans sa globalité, avec une approche sociale et philosophique bah Écoute, je ne vais pas te dire que, n... bien sûr, le corps médical est formé pour, mais il y a toujours moyen d'améliorer les choses, c'est évident. Alors euh, il faut déjà savoir une chose et je pense que tout le monde en est conscient, il suffit pas d'avoir une maîtrise des choses scientifiques absolument. de l'anatomie, des mathématiques, des sciences euh, qu'on dit exactes. Euh, non, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui différencie un médecin d'un autre à compétences scientifiques égales? C'est son humanisme, absolument. Tout son comportement hors euh, champ médical classique par exemple. Euh, un médecin pour moi, doit savoir communiquer. Il doit avoir des compétences pour communiquer, pour raisonner, pour argumenter, il doit avoir un esprit critique, il doit avoir un esprit euh, de décision, il doit euh, avoir des, 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 le sens de l'éthique, le sens du respect de l'individu et surtout de l'empathie. Toutes ces toutes ces et valeurs une certaine culture quand même. Bien sûr, une certaine culture, ça englobe l'ouverture d'esprit, une tolérance, un respect de l'autre être humain. Et toutes ces notions sont fondamentales parce que c'est elles qui créent la différence. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est depuis, que depuis quelques années, certains pays d'Europe, dans leur formation, utilisent, contrôlent, enfin, dans leur sélection pour l'accès à la médecine, donnent une grande place à ces valeurs. Absolument. À 50%, Absolument. aussi bien pour les maths, physique, biologie et les autres sciences, que c'est psychologique et ces valeurs qu'ils qu mettent dans, leur, dans leurs examens et qui servent d'évaluation de, 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 pour la sélection du, du médecin. Donc ça, c'est pour la sélection de départ. Ensuite, la formation doit aussi inclure certaines matières comme euh, la sociologie, la santé publique, la philosophie la philo, oui. et surtout l'épistémologie. L'épistémologie, c'est une matière que, que j'ai découvert récemment, que je trouve extraordinaire. C'est une part de la philosophie qui étudie de façon critique la méthode scientifique. Et je pense qu'un médecin doit avoir un esprit critique pour pouvoir garder son libre arbitre, pour pouvoir juger de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de pouvoir faire la part des choses et de ne pas être manipulé. Ensuite, au niveau de la formation, ce qui manque aussi ici. Si moi, je compare bien sûr parce que j'ai pas fait mes études ici, mais j'essaie je, 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 de voir ce qui peut être bien mm -hmm. et, qui, est, qui, et qu peut, qui pourrait être une valeur ajoutée. Par exemple, les stages. Pendant les études de médecine, on fait des stages dans l'hôpital, mais ce qui se fait ailleurs, qui ne se fait pas ici, c'est qu'on commence par des stages entre guillemets ouvriers. C'est-à-dire qu'on doit faire des stages en tant qu'aide-soignant, nettoyer le malade. On doit faire des stages en tant qu'infirmier avant de commencer. Il y a les infirmiers en troisième année, mais c'est pas C'est peut-être récent, mais, mais il faut. C'est pas récent, hein, il je... faut tout faire. Ouais. Il faut même faire les stages euh, aide-soignant. Et puis il faut aussi ouvrir les stages dans le secteur privé. Parce que en Europe, on fait des stages chez des médecins généralistes pour savoir mmh. comment se passe la médecine générale. Parce qu'il y a des croyances, il y a de fausses croyances. Il faut savoir où on va. Et il faut aussi euh, donc euh, ouvrir les stages dans différents hôpitaux, mais surtout dans le privé, dans les cliniques et dans les cabinets privés. Euh, et ce qu'il faut aussi, pour moi, ce qui est fondamental après la sélection de ce médecin, c'est aussi pour lui donner. Il faut lui donner envie de faire cette médecine, d'étudier, de, de, de souffrir, de euh, il faut donc revaloriser l'image du médecin par tous les moyens possibles parce qu'actuellement l'image elle est vraiment vraiment euh, dégradée Elle est dégradée. Euh, euh... Et puis il faut aussi euh, rappeler les valeurs pour pourquoi on fait médecine oui, parce sûr. que la, la majorité des, des jeunes, euh, bon je parle peut-être pour moi, mais quand on a choisi de faire médecine au départ, euh, c'est pas pour amasser de l'argent. On a 18 ans, on a la tête pleine Ma de rêves et un idéal et tout ça. Et justement, raviver cet idéal, c'est rappeler que c'est un métier difficile. Mais, mais on le fait pour pour l'humanité, pour des valeurs essentielles qui, qui transcendent un petit peu absolument. le gain matériel. Mais, mais justement, il faut véhiculer cette image aussi. Mmh. Donc, il faut des modèles de médecins qui véhiculent cette image. Justement, il faut un idéal. Il faut que ces jeunes puissent se projeter. Et pour se projeter, il faut qu'ils aient une image qui leur plaît. L'image d'un médecin intègre, euh, qui, qui, qui a la reconnaissance de ses patients. C'est évident que la reconnaissance est plus recherchée que l'argent. Quand on veut gagner beaucoup d'argent, on fait pas médecine. On fait ingénieur, on fait des, des choses fait, plus beaucoup plus courtes. Maintenant, plus absolument, maintenant. Absolument. Alors, tout à l'heure, on a parlé aussi de la culture. Et euh, j'aimerais un petit peu euh, avoir votre avis par rapport à cela. Comment, comment le médecin est perçu euh, par par le malade comment la médecine la santé le soin et surtout la dépense euh, du soin est perçue comme euh, est perçue par par le citoyen et le malade alors je crois que le le médecin et la santé sont perçus comme un mal nécessaire et, et ce mal nécessaire ils essayent de le repousser le plus loin possible c'est à dire qu'il n'y a aucune prévention Absolument. aucune prévention mais ils attendent d'avoir des symptômes Et on a toujours dès que la, la, le... La, la mais mais est-ce que ça c'est lié justement au manque de moyens de la majorité ou alors c'est quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus profond qui est lié à peut-être euh je sais pas, une image... Alors il y a le fatalisme. Beaucoup. Beaucoup de fatalisme. On se dit de toute façon... Alors c'est comme les gens quand on leur dit ⁇ faut que tu prennes le médicament pour tension. ⁇ qu'est-ce qu'ils te disent ?⁇ Je leur dis ⁇ Mais parce qu'il est peur de mourir ⁇ On a peur d'handicap. Parce que si tu fais un AVC et que tu es handicapé, et donc c'est la loi du tout ou rien. Ou je vais être vivant je vais il voit pas le handicap et la maladie qui se poursuit avec toutes ces complications. Et lorsque cette maladie se complique, elle revient beaucoup plus chère pour lui, pour l'État, pour sa famille, pour son entourage. Donc il y, a, il y a toute une culture, justement, il y a toute une, éduc une éducation qui doit être faite sur la prévention. Et le, le patient a du mal à débourser. Pour manger, il n'a pas de problème pour débourser. Mais pour sa santé, il considère pour, pour manger, pour même s'amuser, pour le oui. loisir, voilà. il débourse. Mais euh, même quand il a les moyens, des fois, il, euh, il n'a pas envie de débourser pour euh, pour la Absolument. santé, parce que c'est perçu comme une dépense, comme comme uh, un secteur in, inutile. Et je me pose la question est-ce que c'est pas aussi l'image que l'État donne, puisque euh, étant donné que, que le, le budget de la santé est toujours moins important que le budget de l'investissement, mm -hmm. donc automatiquement pour pour nous la santé c'est c'est ce petit trou qui laisse fuiter l'argent. Eh bien, on a parfois ce sentiment nous en tant que médecins, parce que quand euh, les gens qui n'ont pas les moyens euh, et qui ne sont pas reçus euh, là où ils, là où ils ont envie d'aller, c'est-à-dire à, mm -hmm. à l'hôpital, peuvent se révéler un petit peu euh, euh, énervé une sorte d'énervement ouais. contre le médecin en général et mettre tout le monde dans le dans le même sac c'est pour ça que nous médecins du privé on, on, on ce qu'on veut c'est un hôpital public fort un hôpital public fort va servir tout le monde aussi Absolument. bien les médecins du privé que du et puis surtout avoir un accès aussi à l'hôpital pour les médecins du privé il faut qu'il y ait un travail euh, en, en, en concertation et, et intriqué mm -hmm. on ne peut pas continuer à scinder les deux mm -hmm. les deux secteurs pour revenir à la question de la culture de la santé est-ce que aujourd'hui on peut toujours parler de concurrence de la médecine traditionnelle Alors, beaucoup moins qu'il y a 25 ans, quand j'ai ouvert mon cabinet, beaucoup moins. À l'époque, je voyais encore des gens arriver avec des traces de brûlure. C'est des cotères en métal réchauffés, donc brûlants et ils mettent des pointes dans certaines zones pour soulager certaines pathologies. Est-ce que c'est efficace ou non Je n'en sais rien, mais en tout cas, la croyance, elle est toujours là. On en voit de moins en moins, comme les gens qui font… J'aime pour faire la Absolument. les saignées. C'est devenu à la mode. C'est devenu à la mode, ça revient. Bon, il y a certaines pathologies pour lesquelles c'est préconisé, bien sûr. Mmh. Maintenant, les questions qu'on se pose, c'est dans quelles conditions ça se fait Moi, j'ai vu des gens avoir des saignées alors qu'ils étaient sous anticoagulants. Et ça crée des complications. Maintenant, est-ce que la personne qui exerce ce métier euh, traditionnel, est-ce qu'il pose les questions qu'il faut, est-ce qu'il prend les, les, les précautions qu'il faut, est-ce qu'il a son nom, sa plaque accrochée quelque part contre lequel on peut se retourner Tout ça, c'est des questions. Je comprends qu'on puisse arriver à ça puisque ça revient moins cher, que c'est plus proche, que l'accès est simple. Et puis il y a tout le bruit qu'il y a autour. Il y a toujours quelqu'un, un parent, qui vous dit Ah non, moi j'ai fait ça, ça a marché. Et les voilà, donc il y a toute une culture. Et à puis des croyances, euh, elles puisent très profond dans, dans l'histoire. Donc... Elles ont des racines très, très Absolument. profondes. Absolument. C'est à Jamie petit, une dystopie sur le monde médical, les rois le euh, serment du dernier messager. Alors, est-ce que l'État de la santé et de le système de santé au Maroc ou là partout dans le monde euh, n'augure rien de bon Effectivement, mon avant-dernier roman est un dystopie comme tu l'as dit euh, qui parle de transhumanisme. Alors, pour euh, expliquer ce que c'est le transhumanisme, c'est une culture qui prône l'usage de la technologie. Pour améliorer les conditions physiques et mentales de l'individu, et on peut dire qu'on y est déjà puisque nous utilisons tous euh, la technologie pour améliorer notre euh, nos fonctions, ne serait-ce que les oreilles pour les malentendants, les lunettes pour mieux voir, les pacemakers pour les patients cardiaques, toutes ces choses qui prolonge la vie ou qui améliore les conditions de vie. Donc nous y sommes déjà. Maintenant, euh, ce qu'il faut, c'est euh, garder que le médecin garde son libre arbitre pour ne pas qu'il y ait de dépassement. Euh, il y a euh, des choses qui peuvent être néfastes si on utilise la, 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 la technologie à outrance. Euh, pour le risque euh, au niveau de la société et, de, et des médecins, euh, avec cette pénurie de médecins qu'on qu voit au, dans le monde entier, le risque justement, c'est d'avoir envie de développer des cabines connectées, comme j'en ai parlé dans mon livre, et de voir cette médecine se dé déshumaniser complètement, euh, parce que je pense que ni toi ni moi n'avons envie un jour d'avoir une cabine qui nous donne un diagnostic ou euh, d'être euh, traité par une machine euh, sans empathie et surtout... Euh, alors tout le monde dit oui l'intelligence artificielle c'est extraordinaire parce que ça permet des diagnostics plus rapides des traitements sans état d'âme gain de temps euh, non parce que euh, ce que la machine n'a pas et n'aura jamais à mon avis c'est la capacité d'anticipation et c'est quoi la capacité d'anticipation c'est la capacité de penser à différents scénarios avec des paramètres complètement humains euh, qui sont variables d'un individu à l'autre et que le médecin lorsqu'il examine son patient et qu'il l'interroge l'interroge ce sont des petites subtilité imperceptible, mais d'humain à, à humain, c'est ce, ce qui redéfinit euh, la relation patient-médecin et qui est vraiment importante pour adapter le traitement le plus adéquat pour chaque patient et chaque patient étant une, une entité à part, on ne peut pas globaliser euh, le tout. Merci beaucoup, Suadjemei, pour euh, cette intervention et pour toutes ces réponses et j'espère que euh, la santé des Marocains ne s'en portera que mieux. Merci beaucoup. J'espère, c'est notre volonté à tous. Merci beaucoup, Fedoua Misk. Merci. Merci à vous.